Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Ancien général force l'armée d'Haïtien Roland Chavan mouri la Kaili à 84 l'année sous tête li bien bonnet jeudi matin 23 juin 2021. Li était sorti dans promotion 1959 Lycéus félicité Salomon Jeune dans Académie militaire d'Haïti. Roland Chavan té marqué passage li dans tête service circulation et puis tout dans tête service immigration entre l'année 2004 pour arriver l'année 2012. L'elle té permettre tout monde arriver jeune passeport sans difficulté dans délai qui pas long. Entre lundi 20 et mardi 21 juin 2022, autorité immigration République Dominicaine Pimpé vini dans le pays d'Haïti plus passer 250 migrants haïtiens parmi eux 40 femmes et timoun d'après service jésuite pour migrants. La nuit mardi 7 pour entrer mercredi 8 juin 2022, garde-côte américain porter secours bay 27 migrants haïtiens sous yon zile qui pa gen moun ka viv la dan entre Porto Rico et République Dominicaine d'après ambassade pays États-Unis dans le pays d'Haïti. Gen l'école sous 3 qui Sibi violence Anessa dans Port-au-Prince avec violence gang exam dans mois avril 2022 dans zone métropolitaine Port-au-Prince là gen 55 000 timon qui pas retourner l'école d'après branche dans pays d'Haïti Fonds Nations Unies pour timon yo plus connaît sous nom UNICEF. La police nationale d'Haïti promet une autre fois encore li gen yon plan opération pour ta mettre bout dans climat latéré gang exam tabli dans Matissan depuis date 1er juin 2021. Mouvement Montana fait connait li paré depuis longtemps pour discuter à groupe 11 septembre 2021. Ariel Henry, parti politique, organisation Peuple Cap Lutte OPL, mandé Premier ministre de facto Ariel Henry prend toute disposition qui nécessaire pour yon chita attendre entre diverses forces politiques yo nan pays a. N'a pas pour diverses connexions, tant économie, technologie, la santé à la kilti. N'a parlé jodi a sous nouveau code pénal qui t'a doué entrer en vigueur finissement semaine ça, mais qui est-ce qui a véritablement fait que l'Iran entrer en vigueur en l'absence de un parlement, eh bien, c'est des questions qui a posé déjà, en fait, depuis le code ça publié le 24 juin 2020, gain question qui a posé et même des controverses qui paraissent dans société à côté divers secteurs dans la vie nationale là, dénoncer plusieurs dispositions dans le document ça que yo quoi qui pas cadré avec constitution pays d'Haïti a et gain l'autre qui pas allé avec pratique sociale en Haïti d'après ça en pile monde dénoncé mais tout gagné des aspects que jugé très avancé qui fait que nous fait yon pas en avant d'après certaines considérations. Youn nan asosyasyon spesyalize ki te panche deja a l'epok sou dokumen sa, se asosyasyon profesyonel de magistra ki dezaprouve yon seri de disposisyon ki gen lan kod penal lan dapre li ki pa kadre avek konstitusyon an. Mem jantou li salue de aspe pou li ki tre pozitif ki vin retire poussye son dokumen ke nap servi avek li depi pre de 200 an. Oui, depi pre de 200 an. E alor nou genyen avek nou Maître Wando Saint-Villiers, c'est lui-même qui était président de l'association professionnelle des magistrats à l'époque que tu as fait remarque ça. Maître Saint-Villiers, bienvenue sous antenne Alter Radio. Bonjour M. Godson-Pierre, et c'est un plaisir pour que je sois capable d'intervenir dans l'émission aujourd'hui. Donc, je vais profiter pour saluer tout auditeur, auditrice et tout internaute qui a suivi l'émission Tichèze Bas sur Alter Radio. Mwen li avi ke asosyasyon profesyonel magistra soti sou kod penal ki gen pou aplike dan le prochen zane an Haiti dapre sa ki privwa e pou nou li te oportun ke yo reforme kod penal la. Oui, en fait, bon, son sujet vreman ki d'aktualite e ki fa an pil debat an dan sosyete an. Et nous-mêmes au niveau de l'association professionnelle des magistrats, donc nous
te estime ke fok nou bay e avi nou sou e nouvou kod penal la. Men fok nou di ke genyen deja te gon nesesite pou ke genyen yon nouvou kod penal. Paske se pa yon nouvou kod penal solman, men se yon reform penal da la mezur ou se dwe gon modifikasyon de lwa de fon, sa nou le kod penal la, e de lwa de form yo, sa nou le prosedur penal, e se ansam de prosedur, de mach a suiv pou nan kad on pou poursuiv e nan kad on proses penal. Donk, an Haiti, yo re le kod sa kod d'instruksyon kriminel. Alon, fonon de ke de tek sa yo, yo date de 1835, aktuelman yo gen 185 an d'eksistans, preske 200 an, e ou konen yon kod penal li tradu. Si ou ale la justis, ou pap kapab jwen repons, ou pap kapab jwen rezultat, le poukwa se paske e kod penal nou gen la pa privwa situasyon sa yo. E an mater penal nou gon prinsip d'or, se le prinsip de la legalite. Donk, kon ekspresyon latin ki di nou la pou ena sine lege, nou loun krimen sine lege. Donk, se da dir, si pa gon tekst de lwa ki puni fè ya, ki puni sa moun nan e komet kom ak lan, donk, menm si sa va reprouve tout sosyete ya, wap sezi wè ke la justis oblige la gen moun nan paske sou pa sanksyonel a partir don tekst de lwa ki non selman prevoa sa l fè ya, men an menm tan tou ki prevoa on pen ki punini, donk e juj la oblige la gen paske tout sanksyon ko pral bay li ap moun sanksyon ki arbitre. Donk par rapport avèk evolusyon sosyete ya e de nouvel form de devyans ki genyen, non selman an Haiti, men gen de form de devyans tou su la sèn internasyonal yo antan yo pou ki yo sanksyone yo, donk te gon nesesite pou ki nou genyen yon nouvo kod penal. Mètenan, nouvo kod penal la, bon, nou konen ni, depi publikasyon dekre ki ou la tifa kod sa le 24 juan denye, gen pil debat kap fèt sou sa. Don bon voilà, vin sou debat yo, Mètre Saint-Villiers. Parmi nesesite yo, bon la, mwen nou pale de moun seri de infraksyon importe, et cetera. Men tou, o nivou de konteks internasyonal lan, eske, e se la, an kistyon ke moun yo toujou pose, pa gen de presyon internasyonal ki fet pou ke kadre juridik la an Haiti li vin adapte an kadre internasyonal de manyer aske peut-etre des etranje ki vini an Haiti kapab fonksyone mye lan an situasyon ki artikule avèk sa gen nan prop peyi pa yo? Non. Alors, son nou di ke, je di an, gon demanche nan moun lan pou ke atraver ou ansam d'institisyon internasyonal e surtout organizasyon de proteksyon de doa de lom yo e l'Etat yo angaje yo e pou yo sanksyone tout ou ansam de komportement. Par exemple, si nou pren trafik d'organ e des etres humè, son bagay ke ap chèche reprimé un peu partout dan le monde. Sou pren kesyon de diskriminasyon, violans fèt ou fam. Donk se partou sou planet Terre, a traver, ke se sou a traver l'Organizasyon des Nations Unies, ke se sou a traver l'OEA, ke se sou a traver le Conseil de l'Europe, donk ou genyen des engajman ki pren en ratifyan de konvansyon ou bien de trité. Donk l'Etat yo engaje yo. Poske, remarke bien, jou diyan demanche lan, son demanche kote ke nou dwe gen yon planet ter, kote yon ansanm de doa ki yon rekonu avek tout moun, kelke swa kouleur, rasyo, kelke swa nasyonalite yo, yo ti aske gen de valeur universel ki respekte doa, sa yo konsidere kom de doa universel, un peu partou dan le moun yo respekte yo. Dok se pa yon imposisyon de tekst a l'Etat haïtien ou du moins a de pays ki pauvre. Se pa yon lute hegemonik, men se de preferans yon rekonesans de valeur ki universel a traver ansanm d'institisyon internasyonal e kom se l'Etat yo ki mab institisyon sa yo, donk l'Etat yo ansanm angaje yo pou ki yo lute kont tout an seri de komportement ke yo estime ki nizible a l'eksistans de l'om e ki kapab kouze de dega an dan sosyete yo. Donk se demans, elè nou pale de infraksyon importe, se ostans ke soupran Haiti li ratifiye la konvansyon de Nasyons Uni kont la korupsyon. Donk la,
la corruption, c'est pas en soi, c'est pas un bagage qui est importé. Que de plus, nous gagnons en pratique de corruption depuis que l'État ça existait. Mais au bras de son infraction importée, au sens que Haïti s'est engagé à travers l'Organisation des Nations Unies, non seulement parce qu'il a signé une convention, mais il a ratifié la convention en tout. Donc de là, c'est engagement pour que nous prenions des lois pour lutter contre et toute forme de corruption et sanctionner à travers le code pénal là. Donc moi prends exemple ça, moi t'as qu'à prendre la discrimination. Donc a été ratifié de convention sur contre la discrimination, que ce soit à l'égard des femmes ou encore pour d'autres raisons quelconques. Et c'est des engagements qui prennent dans le cadre des Nations Unies, des engagements qui prennent tout dans le cadre de l'OEA. Donc c'est pas seulement Haïti, c'est tous les pays qui ont ensemble de pays qui membres d'organisation ça ou pas des engagements en ce sens. Maintenant, l'OFIN signe et ratifie la convention ça, il faut qu'on prenne des lois pénales pour traduire, ça dit pour rendre effectif l'engagement ça qu'on prend, pendant qu'on va sanctionner tout le monde qui viole les formes d'engagement ça ou bien qui a discriminé l'autre monde, ou bien qui, par exemple, a commis des actes contraires avec l'engagement. Donc c'est ça, yo, nous, les des formes d'infraction importées. Si on prend les nouvelles technologies, par exemple, question cybercriminalité. Donc, ce n'est pas un bagage qui est lié avec Haïti seulement. Donc, c'est un bagage qui est lié, en fait, tout, je dirais, avec l'évolution mondiale, les nouvelles technologies de l'information et de communication. C'est un peu partout dans le monde. Une législation est obligée de l'adapter pour que vous sanctionnez toute forme de déviance qui est capable de faire à l'aide de ces nouvelles technologies. Donc Haïti lui-même l'obligé à rentrer dans la dynamique là, parce que je veux dire là, de Haïti étant, on est capable d'être en Afrique et puis lui, en fait, fait poser des actes qui sont préjudiciables à eux-mêmes. Et tout comme tout, capable d'être des Haïtiens, d'Haïti étant, de causer des dégâts et qui gagne des conséquences dans n'importe quel autre pays sur la planète Terre. Donc c'est une nécessité pour que je veux dire, nous pas arrêter seulement à sanctionner les vols, viol et sanctionner de forme d'escroquerie et traditionnelle, mais il faut que nous capables de sanctionner toutes les nouvelles formes de mauvais comportement, de déviance qui gagnent, et non seulement en Haïti, mais comme moi, sur Dio, et entendre tout pour que des bagailles de valeur universelle préservées et en conséquence punir toute forme de comportement qui est capable d'entraver les valeurs universelles. Maître Sévillier, vous avez le rentré dans le code là tout à l'heure, alors en nous fait ça, c'est le 24 juin, il y a un décret qui sorti dans le journal officiel Le Moniteur et qui fait état de nouveau code pénal ça. Et comment physiquement, en termes de quantité de loi, chapitre, etc., que document ça a présenté, Maître Saint-Villiers? Bon, en fait, c'est un document qui est très volumineux par rapport avec le texte nous là, qui est environ 400, et là nous dit texte nous en code actuel là, qui est moins de 500 articles, alors que le document ça a gagné 1036 articles. Mais c'est un document qui, en termes de présentation, nous sommes capables de dire qu'il y a toute une nouvelle forme, une nouvelle méthodologie qui est utilisée, et avec vraiment de points qui, pour nous-mêmes, au niveau de l'Association professionnelle des magistrats, nous estimons que c'est des avancées majeures. Et par exemple, nous gagnons une lacune dans le droit, nous avons des bagages à répéter. Au cas où, à chaque fois qu'on procède, il y a toute une discussion autour d'une série de bagages élémentaires. Des fois, on demande est-ce que Mounio, ce n'est pas des mondes qui sont des professionnels qui étudient le droit vraiment. Donc, parce que ouais, sur les 50 avocats, on capable de 50 interprétations différentes. Et si l'affaire a passé devant, par exemple, si t'as, comme un seul affaire n'est pas capable devant plusieurs juridictions en même temps, mais 10 juridictions, tu as capable de 10 réponses différentes. Mais est-ce que alors la faute, c'est au texte de loi ou bien c'est le propre des avocats? Ben, capable, dans une certaine mesure, capable de gagner de mauvaise foi, mais forme doute ou à bien des égards, et texte tellement ambigu, tellement un vide juridique. Et lorsque il y a un vide juridique, ça a donné lieu à toute forme d'interprétation et avec même des manipulations. Et c'est tout un champ, un boulevard qui est laissé à du monde pour que yo traduit bagalan et prenne le sens que vous voulez. Alors que dans le nouveau code, ça, il y a gagné un chapitre qui concerne les principes généraux. Principes généraux, c'est des théories et que de droit pénal général et qui c'est des principes clés
dans domaine là yo tout consacré au dans le code là, donc qui vient fait que pas gagner une discussion, on sait des discussions qu'on gagne sur des bagages élémentaires, pas gagner parce que yo vraiment clairement établi. Et puis tout ou gagner dans texte là, ça nous relait en fait au-delà du principe cléo, ou gagner une avancée majeure qui permet à ce que la justice haïtienne défavorise les clients et la compétence universelle. Parce que le principe en droit pénal, c'est le principe de la territorialité. Au sens que, nous sommes capables de sanctionner seulement à qui passer sous territoire la caillou, mais qu'importe la nationalité de la personne, pourvu que c'est sous territoire la caillou. Mais si toutefois, tu as un fonctionnaire et haïtien, mais qui au service de l'État haïtien à l'étranger, par exemple, un consul, yo t'a assassiné en terre étrangère dans le pays côté lui affecté, ou t'as un diplomate qui subit même sort là, eh bien qui s'est passé, c'est que l'État haïtien n'est pas compétent et pour juger une addition avec Haïti, et là même que individu ça t'a retrouvé là en Haïti, donc si Haïti arrêté l'État va le vers et pays côté acclaté comme là, mais Haïti pas capable de juger. Donc maintenant avec clause et disposition qui baille compétence universelle là, donc ça veut dire que gain ensemble d'infractions là même que au pas commettre en Haïti, mais dans la mesure où yo retrouvé auteur yo en Haïti, donc yo capable de juger moun sa yo, et sauf si pour des raisons d'ordre pratique et la justice pas capable de juger moun nan, parce que yo pas bien suffisamment de preuves, pas bien suffisamment d'éléments, et donc à ce moment là yo capable extrader moun nan vers pays côté acclaté commettre là. Ma pour exemple clé. Soubran était gagné un diplomate français qui mourit en Haïti. Il était indexé à Amaral Duclona dans le cas d'assassinat. Ça. Mais remarquez bien, le crime a été commis en Haïti, mais par contre, Amaral Duclona a été jugé en France. C'est parce que la France, dans la disposition et code pénal, il y a les possibilités pour que depuis son citoyen français qui mourit n'importe côté, hein, depuis l'État paysan pas jugé criminel présumé, hein, ou du moins moun yo indexé comme auteur à clan, eh bien donc la justice française capable de poursuivre moun sa quel que soit côté yo ta retrouvé li. Mais code pénal français, est-ce que li impose à l'autre pays, l'autre société? Oui, c'est que quel que soit côté, hein. Sauf que par exemple, il y a des pays qui gen droit dit bon, yo pa extrader moun nan parce que yo ba garantie certaine que yo a jugé li. Parce qu'ils ont laissé ça à l'attitude. Mais c'est quel que soit pays, hein, c'est pas parce que c'est Haïti. Donc, gagner dans un nouveau code ça tout comme avancé, et nous sommes capables de prendre question crime contre l'humanité, crime de génocide, crime de guerre. Donc, nous pas jamais ça dans la législation noire. Et remarquez bien, il y a l'ancien président Duvalier qui était accusé d'un ensemble de faits, mais que on considérait comme crime contre l'humanité. Au sens, il valait débat sa fête, et m'a demandé est-ce que on capable de sanctionner pour crime contre l'humanité, et le juge était obligé de rendre une ordonnance pour que le dévoyer lui devant tribunal correctionnel pour détournement de fonds. Pour le pourquoi, et bon, désolé, m'obliger à faire ouverture ça, c'est parce que en fait pas de gagner matière, pas de gagner provision légale pour être voyé devant le tribunal criminel pour crime contre l'humanité. Parce que, en fait, Haïti, non seulement pas consacré disposition ça dans le code pénal, mais en même temps, tout Haïti pas ratifié le statut de Rome. Le statut de Rome, non, c'est lui-même qui créait la Cour pénale internationale. Et la Cour et statut de Rome, non, tout, l'homme même que Haïti a ratifié, il dit c'est pour des crimes qui étaient commettre et avant, et pardon, qui commettent après l'entrée en vigueur du statut, soit juillet 2006, pardon. Donc, en fait, là, c'est pour nous dire que, je vous dis, hein, et non seulement crime de génocide, crime contre l'humanité, crime ça, yo consacré dans les justes, dans le nouveau code-là, mais en même temps, tout ça qui est intéressant, c'est que quel que soit côté crime ça, on a commis, depuis qu'on retrouve auteur en Haïti, la justice haïtienne, dans la mesure du possible, capable de juger mon ça. Gagnant tout à l'heure, agent de délit, toute forme de déviance qui commettent à travers nouvelles technologies de l'information et de la communication, eh bien, yo est sanctionné. Yo, je veux dire, un monde qui utilise des photos ou bien qui fait de mensonges sur les réseaux sociaux, soit devant le tribunal et sous code qui est en vigueur là, ou pas de cage de justice. Mais par contre, avec nouveau code ça, et lorsque la prendrait en vigueur, le ça, la justice est capable d'avoir une réponse. Nous gagnons par exemple harcèlement sexuel. Et est-ce qu'on connaît même si on fit à harceler sexuellement ou bien yon moun ta harcelé on fit sexuellement?
qui ça peut passer. Même si on est devant la justice, on ne peut pas condamner les accusés. Oui, parce que j'ai toujours dit que c'est difficile pour prouver. Non, c'est pas difficile pour prouver. L'homme-même qu'on a prouvé, lui, et pas gagné une disposition dans le code pénal qui est en vigueur, là, qui punit ça. Code là punit agression sexuelle lorsque vous mettez main sur mon nom, vous faites des caresses ou autre. Code là punit viol lorsque vous avez des rapports sexuels sans consentement. Mais des actes comme dit, pour attirer mon nom ou bien pour essayer et persuader lui et qui est capable de choquant comme harcèlement sexuel. Et donc, pas gagné, yo pas puni, puisque la loi pénale est d'interprétation stricte, ou pas capable d'appliquer sanctions qui prévoient pour agression sexuelle ni viol dans le cas ça. Donc, il y a des réponses qui baillent avec ça, tout comme le nouveau code pénal, là, lui prend en compte et un ensemble de lois récentes qui est adopté, mais qui pas entré dans le code pénal qui existe actuellement, qui est en vigueur là. Donc, le nouveau code pénal là, inséré tout comme des lois sur les discriminations, sur les violences faites aux femmes, sur la corruption, le financement du terrorisme. Donc, c'est ensemble d'avancées ça, et que nous soulignons. Moi, tout que nous soulignons, il punit la torture. Oui, il punit la torture. Et parce que en fait nous pas gagné Haïti ratifier une convention dans quatre Nations Unies et contre la torture, mais pour que j'aime gagne une loi pénale véritablement qui punit ça. C'est maître Wando Saint-Villiers, nous tenons sous réflexion, nous t'a fait ensemble avec, c'était le moment code pénal a été publié et donc association professionnelle des magistrats li fait toute une étude de documents et c'est ça la partager avec nous là. C'était le 24 juin 2020 que yo t'ai publié li et donc toute année ça yo c'était année pour te gain consultation, échange et même travail de vulgarisation etc. bien que nous pas ouais rien, nous pas tendez rien véritablement qui a fait. De toute façon, là, nous retournons sur des réflexions autour de documents ça qui t'a doué entrer en vigueur fin juin. Qui est-ce qui a fait l'entrée en vigueur en absence de un parlement? Ça a tous ces questions qui a posé. Ça a fait question de code pénal nouveau, ancien, etc. Mais il faut que nous songions ça et peut-être monde qui a fait ces moments pour nous bailler notre petit temps pour écouter musique que nous remet et nous t'ai commencé l'émission ça avec un chanté qui parlait de pays ça qui besoin pour râler l'endormi et artiste indépendant chanté justement pour ça. On a retourné sous question code pénal là avec maître Wando Saint-Villiers, c'est un spécialiste et il était à la tête association professionnelle des magistrats au moment code ça a été sorti en juin 2020. Il a fait une analyse très approfondie de documents et nous-mêmes, nous avons eu l'occasion de discuter avec lui sur ça. Il a commencé déjà à relever des aspects positifs dans le document. Il a continué avant de nous mettre douette sur des aspects négatifs. Il y a, par exemple, style d'écriture. Là. Et un ancien code nous gagne qui est en vigueur. Là. Et tout comme c'est le cas pour le code civil, procédure civile. Texte tellement rédigé non style de français qui est ancien et non style qui est très corsé, genre syntaxe disposé, il est difficile, son mon appelé un article pour comprendre ni en Haïti. Et sauf son domaine là. Et même là, dans le domaine là, on vient rendre compte toujours qu'on paquet d'interprétations parce que les professionnels n'ont pas arrivé d'accord sur ensemble. De définition ou bien interprétation attribuée à tel texte de loi. Alors que c'est tombé à balayer dans tout pays, côté que je veux dire, et législation moderne, tout le monde qui font une étude dans le droit, il admet que tel article a tel sens. Donc c'est comme ça. Donc alors que dans le nouveau code pénal, là, c'est une réécriture qui est simple, qui est facile, il fait en français courant, français facile. Comme c'est le cas en France, il n'y a pas utilisé l'ancienne formule encore. C'est le français courant, le français facile. Donc, qui vient faire que, après un meilleur, n'importe qui qui lit un texte, sauf un thème technique qu'on ne doit pas comprendre, mais après ça, on va comprendre le texte-là. Et puis, ça facilite, ça nourrit l'interprétation loyale et qui sont garanties en matière pénale, parce que la loi pénale est d'interprétation et d'application stricte.
Maintenant, lorsque au contexte de loi qui n'est pas bien écrit en matière pénale, ça a donné lieu à l'arbitraire même du juge, et ça a causé des atteintes aux libertés individuelles. Mais maintenant, avec un contexte qui est clair, ça a facilité l'interprétation et l'application du texte, et c'est une garantie pour la liberté individuelle également. Oui. Maître Saint-Villiers, nous rétait tout, nous souligner la protection de l'espèce humaine. Comment Code pénal a abordé la question ça? Alors, jusqu'à présent en Haïti, pas de sanctionner, il n'y a pas sanctionné le trafic des organes. Il y a sanctionné, ça nous relève le trafic et traite des personnes. Et comme quoi, il est capable de prendre le monde sous prétexte que ou adopter lui et puis ou aller utiliser lui à des fins économiques, soit on fait le faire des prostitution ou du moins soit le faire le travail pour vous, pour qu'il capable d'apporter l'argent. C'est de la guerre que yo trafic des personnes, traite des personnes, yo sanctionné. Mais qu'en est-il du cas où il y a un trafic qu'a fait avec des organes humains, comme si rein, cœur et autres. Donc ça n'a pas sanctionné dans le pays. Hein. Donc, dans le nouveau code, ça, il est sanctionnel. Et je dis, on démarche ça par une démarche purement et locale ou nationale. C'est une démarche internationale parce que la question de trafic et d'organes, si pas arrêté à un pays, c'est un bagage qui est transnational. Donc, et c'est un engagement que l'on prend à travers les Nations Unies, à travers l'OEA pour que l'on sanctionne et toute forme de trafic, ça. Yo. Et donc, gagner tout clonage. Donc, on connaît, donc, je veux dire, on est inscrit pour protéger l'être humain. Donc, il n'y a pas, il y a sanctionné le fait que des mondes sont capables de pratiquer, Jean-Dubaï Sayo, faire le clonage. Et ensuite, de l'autre forme de prélèvement et génétique, et qu'ils sont capables de faire, et sans que ce n'est pas la justice qui a donné, mais pour faire servir avec eux, utiliser à des fins économiques. Donc, c'est des pratiques que ils ont sanctionnées. Donc, c'est pour protéger l'espèce humaine, tout comme tout, dans le texte, ils prévoient des infractions relatives à l'environnement. Et je crois que je dis à la non-risque parce qu'il est vraiment dégradant. Et nous, toujours dit, nous, parmi les droits de l'homme, ça a le droit à un environnement sain. Et parce que ils comprennent que l'être humain, c'est un être qui est pluridimensionnel, ou pas seulement corps et matière, mais au esprit tout. Et qui vient faire que, donc, comme esprit tout, donc on doit à l'épanouissement, à l'éducation, etc., au loisir. Mais, écoutez, là même que droit qu'on gagne, que ce soit droit civil et politique, droit économique, socio et culturel, il est à respecter, mais qu'en est-il de votre environnement? Parce que, et même si on voit un principe, on dit c'est un esprit sain dans un corps sain. Mais c'est comme si, pour avoir des êtres humains qui ont évolué en toute sécurité, n'était-ce que pour santé ou pour vie, il faut qu'ils aient évolué dans un espace qui est sain. Donc, je dis, une grande démarche pour que, face avec la dégradation de l'environnement, et à travers le monde, et pour nous même, ce n'est pas petite bague, parce que vous croyez que ce soit pas... C'est un gros enjeu. Non, c'est écœurant. Donc, je crois que c'est, ça t'a capable d'aider dans sanctionner et toute forme... toute forme de dégradation à l'environnement, mais ça a demandé pour l'État vraiment assumer responsabilité. Mais le fait que prévoit des sanctions pénales, c'est déjà quelque chose. Mais alors, gain ça tout que code ça qui doit rentrer en application dans quelques années, dépénaliser. Qui ça que code là dépénaliser? Bon, alors lorsque on rédige un code, gain plusieurs bagages qui capable être gain ça ou la pénalisation. La pénalisation, c'est que c'est un comportement que jugé qui est inacceptable, mais qui peut être sanctionné. Donc, on nous prend le monde qui a utilisé les réseaux sociaux et qui a fait méchanceté à monde. Donc, maintenant, lorsque vous venez sanctionner, vous pénalisez. Yo. Mais, comme ça, tout, avec l'évolution de la société, il y a des droits qui sont pénalisés ou qui ne pas pénalisés encore, ou bien qui sont criminalisés ou qui sont décriminalisés. Par exemple, je prends un exemple banal. Donc, il y a un monde qui est au coup de la nuit, qui est rentré dans la poule, vole en poule. Jusque la cour, son la cour qui habitait, depuis le volant pour louer n'importe quel objet, et quel que soit valeur objet, et même si son objet qui est maudit en termes de valeur, il lit son crime et il y a bali de 3 ans à 15 ans de prison. Je dis à l'âme garantie que et si vous n'avez pas entré à examen, il n'est pas entré en tant qu'aïmoun, il n'est pas menacé, mais son poule ou bien un instrument aléatoire, il est volé dans la cour, il n'y a pas besoin de 15 ans de prison. Donc, et société a évolué dans un certain sens.
tant que ça yo au lieu de criminaliser ou capable vienne correctionnaliser, c'est-à-dire ou vienne faire tout non délit et ou vienne bailler une peine qui moins lourde. Donc et mais il y a deux cas où on dépénalise, dépénaliser c'est-à-dire ou pas sanctionner encore. Par exemple la mendicité. Bon, n'a pas de que je dis tellement de monde qui a demandé si on t'a pas arrêté mon ça yo et faut que t'a met pas qu'on qui côté t'a mettre yo. Mais par contre et avec qui ça vous fait, il y a dépénalisé mendicité, mais il y a sanctionné l'exploitation de la mendicité. L'exploitation de la mendicité, c'est qui ça lié. Il y a des gens qui ont utilisé tout le monde, vous voyez, ils ont dans la rue, et puis pour côté copa. Il y a des gens qui ont dit bébé sous bras, et puis ils ont proposé tout le monde malade, ils ont prescription dans la main, ils ont demandé l'argent, alors que c'est une pratique, yo, c'est des professionnels en mendicité. Donc ils ont sanctionné ça. Mais moun k ap mande konsa nan la rue, yo vinn pas sanctionner là encore parce que on dirait que et pas jam gon texte qui existe qui est sanctionné ça parce que son bail qui vinn courant et qui presque paraît comme normal. Le vagabondage c'est le fait que y a des moun qui sans domicile k ap dormi dans la rue. Mais maintenant l'état lui-même Jean li là, yo rend yo compte que si t'a pas arrêté moun pour vagabondage, c'est-à-dire moun sans domicile, pas rien côté pour ta mettre yo. Donc alors que l'État pas une politique de sécurité sociale pour mettre moun sa quelque part. Donc yo dépénaliser vagabondage. Moment arrivé pour nous garder faiblesse code ça maître Saint-Villiers, par où commencer? Il y a des faiblesses, mais des faiblesses qui vraiment majeures. Peut-être que ça c'est pas parce que yo en grand nombre. Il faut nous dire que document gain plus bagaille qui est positif là-dedans, qui est plus avancé que éléments de faiblesse. Mais éléments de faiblesse, ils ont touché ça dans les substrats société. Hein. Et comme ils ont touché les valeurs morales, les valeurs culturelles, ça nous généralement et des bagages qui dans culture, dans morale sociale, hein, qui presque pas paraître négociable malgré évolution mondiale. Eh bien, disposition ça, quelque peu que vous êtes capable de comme faiblesse, mais ils ont vint paraître comme l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt, c'est comme quoi un gros pied bois devant et puis un paquet de pied bois derrière. Ils viennent tout le monde qui a passé, ils focus sur le pied bois et ils oublient ensemble de l'autre élément qui est derrière. Et ça fait, ils disent, mais c'est l'arbre qu'on voit, mais non pas la forêt. Eh bien, c'est ça qui vient dans le code ça. Donc, gagner et permettre que nous commençons par une disposition qui concerne la justice, côté que nous avons sanctionné ça, nous avons démis de justice. Alors, déni de justice, c'est une pratique qui n'est pas bon. Donc, c'est non pas qu'à encourager un juge qu'à faire déni de justice. Déni de justice, hein, c'est le fait qu'un juge qui saisit d'un dossier, alors saisit en son terme technique, c'est-à-dire, juge là, il gagne un dossier qui vient devant lui, il tente des dossiers, et puis, lui est capable d'ordonner le dépôt des pièces, il n'a pas jamais pris une décision depuis 3, 4, 5 ans. Gagne tout et le fait que, par exemple, capable de faire un juge d'instruction qui gagne un dossier et qui est dans le cabinet, il n'a pas jamais travaillé sur lui. Donc, ça, c'est déni de justice parce que la société n'a pas qu'à jouer une réponse et tout comme tout, justiciable ou bien victime qui concerne, n'a pas qu'à jouer une réponse. Maintenant, et ça, c'est des manquements à la déontologie, voyez. C'est des manquements du devoir et au devoir déontologique. Et comme c'est un manquement au devoir déontologique, il doit entrer dans le domaine disciplinaire et toute sanction que il doit balayer, c'est une sanction disciplinaire. Donc, nous dit que et dans le cas ça, et rédacteur n'a pas de pénaliser, il doit quitter le domaine disciplinaire de telle sorte que les gens qui sont victimes, ils doivent adresser si son juge à CSPJ et expliquer la situation. CSPJ a fait enquête, si il y aurait effectivement un cas de déni de justice, et bien une sanction qui est appropriée à un magistrat. Mais, il faut tout n'a profité pour nous dire, son CSPJ qui est vraiment prend en considération des plaintes qui est adressée à elle et fait un travail avec efficacité, avec promptitude. Mais juste avant, nous étendons un peu plus sous rôle que CSPJ t'a pour jouer dans ça, qui gens y ont sanctionné déni de justice là, le nouveau code là? Le nouveau code là, y ont sanctionné, alors y ont pénalisé, et comme sanction, y ont prévoit 1 an à 3 ans de prison. Forme 12 en disposition qui peut pas appliquer vraiment. Et parce que, écoutez, c'est qui est ce monde qui a pris les. Et est-ce que c'est le commissaire du gouvernement qui a pris le mettre action publique en mouvement contre juge Lan parce que le Darius a plainte d'un monde qui dit que juge Lan pas et commettre un déni de justice?
et ensuite, il y a toute une procédure sous façon pour que vous poursuivez un juge. Donc, le commissaire du gouvernement n'est pas capable automatiquement mettre l'action publique en mouvement et décider et procéder à l'arrestation du juge. Et ça permet à ce que ça fait, c'est d'abord un travail à la justice, parce que le commissaire du gouvernement, et c'est un 700 magistrats, mais c'est un agent de l'exécutif qui sous contrôle exécutif, là, qui sont pouvoir politique. Et ils sont capables, malheureusement, et le parquet est souvent instrumentalisé par la police, par les politiques. Maintenant, et c'est à pour un travail pour les juges, c'est à capable des artifices qui sont utilisés, et puis, ouais, non dossier quelconque, et puis, ils ont décidé de mettre un juge en difficulté. Et là, ça a entravé, ça nous a l'indépendance, non seulement de la justice, mais l'indépendance des juges. M'a précisé pour tout le monde, capitaine de l'émission, Tichesba, que le fait qu'on juge et déporter le nom dossier, par les deals qu'on met des mises de justice. Déportation, c'est qui s'est allié, c'est qu'on juge au bouton dossier bas haut pour des raisons personnelles où on doit décider au pape Tandel. Ou du moins, c'est parce qu'on doit avoir un lien avec une non monde qui est dans le procès, ou bien on a un problème avec une non monde qui est dans le procès. Parce que nous sommes des citoyens dans un pays, ça qui arrive, on a personnellement un problème avec lui, ou bien on a des liens avec lui. Eh bien, pour des raisons d'éthique, on décide ou déporter. Donc la déportation n'est pas une dîner de justice. Et nous avons dit que si le juge dit le pape Tandel a affaire, il n'y a pas poursuivi. Non, ce n'est pas vrai. C'est lorsque Julien a refus systématique de ses anamènes pour le rendre une décision. Mais le fait qu'il dit pour des raisons personnelles ou autres, il n'est pas capable d'un dossier, c'est la déportation et ça n'a rien à voir avec le déni de justice. Maintenant, Maître Saint-Villiers, en nous venons sous des aspects, bon, on a commencé déjà l'ensemble des faiblesses et faiblesses majeures, sous des aspects qui sont très, très, très délicats, notamment pour nous commencer la majorité sexuelle. Il faut dire qu'en Haïti, nous parlons là de la majorité sexuelle. L'âge de la majorité sexuelle, c'est l'âge à partir duquel un mineur capable de décider des rapports et des rapports sentimentaux, des rapports sexuels avec un monde qui est majeur, quel que soit l'âge que peut-être que le monde a gagné. Il y a des pays qui mettent un seuil, par exemple, on fait 15 ans, capable de gagner des rapports sexuels avec un monde qui est 40-50 ans. Il y a des pays tout qui pas même dit ça, ou seulement prévoit que la majorité sexuelle, c'est à 15 ans, et puis de 15 ans, s'il y a capable de gagner des rapports avec n'importe qui monde. Mais maintenant, en Haïti, nous n'avons pas ça. En Haïti, dans le code qui est en vigueur, le code 1835, il n'y a pas prévu ça. Et dans le nouveau code-là, il n'y a pas prévu. Maintenant, il n'y a pas prévu dans le nouveau code-là. Par contre, il y a un ensemble de dispositions, un ensemble d'articles qui sont capables de faire à confusion, qui prêtent à équivoque. Nous capables de prendre, par exemple, article 277, article 304. Article 384, et charger l'autre encore, qui, leur appliant, ils ont laissé comprendre que, à partir de 15 ans, parce que l'article ça a traité d'agression sexuelle, ils ont traité du fait que, au monde où tu as sollicité, ils ont faveur sexuelle, soit gratuitement, ou bien pour l'argent, ou bien pour d'autres raisons, à une fille. Et puis ça, ils prévoient que si fille, par exemple, si fille a gagné 15 ans, donc si fille a gagné moins que 15 ans, et ils ont sanctionné, mais ils n'ont pas dit rien si fille a gagné 15 ans ou plus. Le fait qu'ils n'ont pas dit rien si fille a gagné 15 ans ou plus, ça veut dire qu'ils ont un majeur qui sollicite des faveurs sexuelles à une fille de 15 ans et plus, eh bien, ils n'ont pas capable sanctionner puisque le texte n'a pas prévu sanction pour ça. Donc, c'est sous, et moi, prends une considération pour nous que, se basant sur cette disposition, il y a des gens qui interprètent comme forme d'acceptation ou bien d'autorisation, ou bien de permission, et en termes de rapport sexuel que des majeurs t'as capté avec un fils de 15 ans. Là, ils ont réfléchi surtout sur le fait que si mon mineur et que il n'y a pas un consentement, donc il y a un rapport avec un monde qui est majeur et qui lui-même en possession de toutes tes capacités, à ce moment-là, si mon n'a pas un consentement, ils ont considéré comme une agression. Il y a un débat qui fait sur ça. Moi-même, ma tout avec comme non seulement et magistrat mais également professeur de droit et citoyen tout gagne et on devoir envers société à pour dire la vérité et écoutez et remarquez bien la question ça et mounio en plus faut confondre ça avec les majorités civiles avec majorité pénale et majorité sexuelle pardon majorité civile là c'est article 17 constitution en dit dès vous gagnez 18 ans vous capable poser tous les actes de la vie civile. Et le mariage, par exemple, est un acte de la vie civile. Cela qui sous-entend que, depuis mon âge de 18 ans, il est capable de marier sans que, même si parents ne sont pas d'accord.
Mais dans même domaine ça tout puisque c'est majorité civile, ça sous-entend que si yon ti moun, un monde qui peut avoir 18 ans, là signer un contrat et acheter un bien qui sont immeubles, une voiture ou bien faire des transactions qui est de valeur de nature économique ou autre mais qui est importante. Et ça puisque le peut avoir 18 ans, monde qui a intérêt par exemple parents ou bien monde qui a une responsabilité ti moun ça, yo capable d'initier action en justice pour yo attaquer AXA en nullité parce que Timounan lutte pour qu'une capacité juridique pour le poser à clan. Et le ça y a d'où que, en quelque sorte, cet enfant ne peut pas donner son consentement parce qu'il peut avoir 18 ans. Mais c'est en matière civile. Ou pas qu'à transposer principe ça en un domaine pénal. Donc c'est une mésinterprétation que lui. Je dis, hein, est-ce que nous avons l'âge de la majorité sexuelle en Haïti? La réponse est non. Il n'est pas ni 18 ans, il n'est pas ni 15 ans, il n'est pas ni 16 ans. Donc, parce que pas gagné, on répond sous ça. Donc, puisque gagné, on ensemble de dispositions dans le nouveau code pénal là, qui prêtait à équivoque, et qui paraît pas sanctionner le rapport sexuel entre un mineur ou majeur au-delà de 15 ans, on dit qui paraît. Parce que c'est l'OAP, c'est analysé, ou vient nous voir comme si on passe pas, ou pas fini trop clair dans ce sens-là. Eh bien, donc, nous-mêmes, dans l'association, hein, nous dit que, il tape mieux pour qu'on fixe la 18 ans, vu que à 18 ans, n'importe monde capable de marier sans autorisation parent. Et il y en a quoi avec la Constitution? Oui, il y en a quoi avec la Constitution. Mais nous-mêmes, nous faisons rapprochement de majorité civile. Là, pour nous dire, il y a maintenant des majorités sexuelles. Dans le même âge avec majorité civile. Là. Mais majorité civile, là, pas majorité sexuelle. Donc, nous faisons donc que dans plus de pays, tant que la France est gagné aux États-Unis, et chargé pays côté que vous fixez majorité sexuelle à 15 ans. Mais il faut nous dire que ce n'est pas la même réalité avec le pays d'Haïti. Et parce que nous-mêmes, nos grands pays, côté que, et qu'il y a une précarité, et un paquet de familles, et un paquet de jeunes filles. Et jusqu'à présent, on va admettre que nous avons un paquet de structures étatiques qui a doué aider les gens, mais en termes de politique sociale, de sécurité sociale, qui n'a pas fait des changements. Et puis, il y a la question de l'éducation sexuelle, tout. L'éducation sexuelle, tout ça. Et qui va le faire qu'on tombe dans une situation, qu'on n'a pas qu'un petit monde, et qu'on n'a pas le tombe enceinte, deux mondes qui majeurs, qui ont des moyens économiques, non, mais, qui va exploiter les faiblesses et les précarités, mon salon. Donc, et puis tout, désolé pour ça, je vais le dire, nous vraiment en situation de rachitisme en Haïti. Côté qu'à 15 ans, il y a des côtés où en jeune fille, il paraît important, mais du point de vue anatomique, même si je ne suis pas médecin, mais nous pensons que mal développement, paquet de monde là, qu'à nous, fait qu'à 15 ans, il y a un peu est prêt vraiment pour une vie sexuelle active. Donc, sauf quelques erreurs, et filles à 15 ans ouais, qui paraissent en costaud. Donc, nous pensons que pour ensemble de raisons sérieuses, et puis nous avons pratique tout, et comme peuple, nous pensons que c'est mieux que nous fixer là 18 ans. Puisque qu'on pratique judiciaire qui était pour sanctionner deux monde qui ont un rapport sexuel avec deux mineurs, et puisque le peuple a 18 ans, parce que c'est mieux que pour nous fixer la majorité sexuelle à 18 ans et éviter toute confusion qui gagne la disposition et quoi là. Et dernier segment, l'échange ça avec Maître Wando Saint-Villiers. M'a rappelé nous, c'était l'occasion sortie. Code pénal nouveau, c'était le 24 juin 2020, il était mis le dehors. Et après ça, il y a toute une série de considérations. L'association professionnelle des magistrats a fait sous lit, il était sorti un document côté, il était mis toute observation, des aspects positifs, négatifs et autres. Et puis, négatifs surtout parce que il y a un qui pas cadré avec la Constitution, il y a d'autres tout qui pas correspondent à une série de pratiques qui gagnent dans la société haïtienne, qui va correspondre à sa réalité socio-culturelle haïtienne. Et ces observations, ça, que M. Saint-Villiers a partagé avec nous. Et là, tout à l'heure, c'était question de majorité sexuelle que nous avons parlé, versus majorité tout court. Peut-être faire des considérations. Et qu'on y est, hein, on a venu sous un aspect qui pi épineux, même controversé, qui pose un pile problème, qui fait débat, qui concernait orientation sexuelle. Et la question, ça, une remarque que nous faisons, c'est que dans tout contexte-là, et du début jusqu'à la fin,
yo utilisé expression orientation sexuelle. En façon pour sanctionner de comportement ta capien à l'égard d'un monde en raison de orientation sexuelle. Et nous citer comme exemple article 265, 275, 277, 289 et 970, 971, 980. Alors nous citer ça seulement, mais chargé là. Ça ne pas citer au plus que ça ne citer là. Maintenant, qui ça nous comprend? Nous-mêmes nous comprenons que l'État haïtien voulait protéger les droits d'un groupe du monde en raison de l'orientation sexuelle. Mais qui ça nous constate? Nous constatons. On a parlé de LGBT. Oui, oui. Mais qui ça nous constate tout? Nous constatons tout, société, hein, à travers Force Vivli, à travers un ensemble de secteurs, ils ont dit, ils ont campé, ils ont vraiment grogné contre le gouvernement et par rapport avec disposition et utilisation de l'expression ça à travers donc, un paquet de dispositions dans le code-là. Oui, mais précision, médecin Villiers, est-ce que code-là est consacré véritablement mariage homosexuel, par exemple? Ma préponde, forme donc, en toute logique et de manière objective, la réponse est non. La réponse est non. Et de plus, on n'est pas capable de légaliser l'homosexualité à travers le code pénal. Et légaliser le statut d'homosexualité au monde, et c'est à travers le code civil, à travers la loi civile. Et ça fait partie de ça, la loi sur le statut des personnes qui c'est en matière civile. Mais maintenant, et toutefois, si on peut analyser de manière profonde, c'est qu'on rend compte que de manière outrancière, ils ont utilisé l'expression ça, et on arrive au moment où on pour qui ça. Donc maintenant, ça nous comprend nous-mêmes, parce qu'en tant que magistrat, nous pas gagner pour nos comptes et protection de la personne, mais nous, ces citoyens, tout. Nous comprenons tout que ça capable aboutir, j'en ai quoi une compte et expression ça dans le code là, ça a abouti en sorte de renversement de l'ordre social, ça a abouti avec un chambardement. Et au cas sorti de un mouvement qui compte ton code, il vient transformer en bail politique qui plonge dans l'instabilité qui raide. Maintenant, nous-mêmes, qui ça nous dit? Nous dit l'État et ou bien le gouvernement, eh bien, mais ça pour nous faire. Et c'est normal pour nous chercher à protéger le droit d'un groupe de monde. Et personne ne nous dit, en est-ce que pour des raisons liées aux questions des droits de l'homme, donc, on n'est pas capable d'éviter ça, hein, empêcher l'État de protéger le droit d'un groupe de monde. Mais de l'autre côté, l'État, tout, lorsque il y a un conflit entre protection d'un droit et des valeurs morales, des valeurs culturelles qui constituent un substrat ou bien essence sociétaire, l'État, il faut le prudent, il faut l'intelligent. Maintenant, par rapport à cette situation, ça nous dit pour que vous modifiez ensemble de dispositions qui ont rapport avec l'expression orientation sexuelle. Là. L'État, qui est capable de faire pour protéger les gens? Vous n'êtes pas capable tout simplement de sanctionner toute forme de discrimination ou bien sanctionner discrimination pour toute raison quelconque. Et parmi toute forme de discrimination, bien pour n'importe quelle raison quelconque, eh bien, là-dedans, vous êtes capable de gagner pour raison d'orientation sexuelle. Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser tellement de façon d'accabri continue et outrancière expression orientation sexuelle là, ça veut laisser croire que c'est une forme de légalisation ou bien une forme de reconnaissance de la part de l'État de l'homosexualité. Donc maintenant, et nous pensons que une bataille qu'a faite là, capable une façon de procéder qui fait tout le monde gagnant, société a gagnant parce que en fait l'État a corrigé l'erreur là, et le groupe de monde a gagné parce que l'État a toujours protégé les droits, mais en utilisant, ça me dit là, il a sanctionné toute forme de discrimination quelconque. L'autre question, association Langis de Souli, le code pénal nouveau, c'est l'amnistie. Oui, alors ça, c'est vraiment criant, parce que dans l'article 147 de la Constitution, il dit clairement qu'il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique, et selon les prescriptions de la loi. Maintenant, et en matière politique, ça veut dire que nous sommes capables d'amnistie. Le terme amnistie signifie pardon. C'est pardonner et c'est effacer totalement tout ce qui s'était passé. C'est comme si on blanchit nous non totalement de tout acte de commettre. Mais l'heure de sa matière politique, ça veut dire que c'est pour des crimes qui te commettent pour des raisons politiques. Et ça, c'est en droit pénal, il y a les crimes de droit commun et des crimes politiques. Crime de droit commun, c'est pour toute l'autre raison, jalousie, ou du moins, c'est parce que vous n'avez pas de problème avant, ou bien c'est parce que vous êtes un monde qui est fou, parce que vous êtes des tueurs à gage, ou engagé pour tuer un monde, ou bien n'importe quelle raison qui font tuer un monde, et bien ça, c'est crime de droit commun. Mais c'est pour des raisons idéologiques,
du point de vue politique, un mouvement politique, c'est pour des raisons politiques, et bien automatiquement le crime devient un crime politique. Donc si c'est en matière de crime politique, par exemple, si j'étais bien en effervescence politique en zone 2002-2003-2004, il y a un monde qui était mort, il y a des dégâts qui étaient faits. Si le gouvernement de transition qui vient de poursuivre et monde ça qui était participé dans un soulèvement, eh bien, on est capable de venir dans des bandes de la société. On dit, bon, pour la réconciliation nationale, donc on va pardonner. Et on va donc essayer de coudre les tissus sociaux et faire en sorte que nous redémarrer. Donc, le ça, on est capable de prendre une loi pour amnistier les gens que ont soupçonné comme auteurs de crimes politiques. Mais, dans le nouveau code pénal, là, et article 221 prévoit que les chefs de l'État, pour toutes les infractions qui sont capables de gagner des conséquences sur les intérêts fondamentaux de la nation, et sur tous les crimes qui sont capables de troubler la paix publique, sauf s'il s'agit de crimes de génocide, crimes de guerre ou bien crimes contre l'humanité, donc il prévoit que les chefs de l'État sont capables d'amnistier les gens. En d'autres termes, contrairement à la Constitution, le chef de l'État peut amnistier des gens, quelle que soit l'infraction qu'ils commettent, sauf crime de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Donc, disposition ça est contraire à la Constitution, puisque la Constitution elle-même dit que c'est seulement en matière politique. Donc, on pas capable, dans la société du droit, gagner une norme, soit un décret, ou bien une loi qui est contraire à la Constitution. Nous tout tous doué conformer à la Constitution, et ça, c'est une violation flagrante de la Constitution qui mérite d'être corrigée. En lien, plus ou moins, avec ça, il y a l'article 226, le nouveau code pénal, là, tout, qui permettent que un monde qui te commette crime qui en bas une peine et après pour le réhabiliter totalement pour rejoindre tout droit que il te gagne alors que dans pile cas mon n'a qu'on perdu une série de droits. Ben oui, ça il est vraiment curieux et il est contraire à la Constitution et en même temps il a des impacts très négatifs sur la société hein. Parce que, remarquez bien, à disposition article 226 et suivant, les noms des suivants, 227-228, ils prévoient que les gens qui commettent un crime, un délit ou bien une contravention, après un certain temps, s'ils ne commettent pas d'autres crimes ou bien d'autres délits ou contraventions, ils sont réhabilités automatiquement. Et ça veut dire que ce sont des gens qui prennent de plein droit, capables de paraître, demander pour annuler, retirer dans les casiers judiciaires, tout. Judiciaire, toute inscription de condamnation. Et comme conséquence, c'est un monde qui vient rétablir totalement, qui vient toute saleté faire effacer tout passé judiciaire. C'est comme si le monde vient blanc comme la neige, et il est comme si pas jamais qu'on commet aucun crime dans la société. Et comme conséquence, il est capable d'occuper n'importe quelle fonction et même venir président de la République, quelle que soit la gravité du crime qu'il a commis. Et il prévoit tout ça, les réhabilitations judiciaires. Qui permettent c'est des mécanismes en tout qui prévoient dans nos codes de procédure civile qui vient pour sortir et de procéder qui permettent que au-delà de tuer donc dans certains cas il y a réhabilité de monde. Donc maintenant qui rien nous dit les capable prendre des conséquences graves parce que quand même parce qu'il y a des balises dans la société faut nous mettre parce que des monde s'il te commettre fait choix pour commettre des crimes automatiquement en toute logique et dans toute société on te voulait mettre des balises. Nous sommes disqualifiés pour l'occupant une série de postes, pour l'occupant une série de fonctions, pour l'exercer une série de professions. Parce que, en fait, c'est nous qui t'es fait des choix. Et en conséquence, la société n'est pas capable, et, ouais, plus tard, c'est nous qui n'est pas que pour la morale sociale, qui peut venir et occuper des fonctions qui sont importantes. Donc, la Constitution, hein, c'est tellement, les constituants qui comprennent ça, ils n'ont pile disposition, ils mettent, et, par exemple, pour toutes les fonctions électives. Que ce soit depuis une municipalité pour venir la présidence, il dit que à chaque fois n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante. C'est-à-dire, il y a un monde qui était condamné pour crime, mais pas ni Kazek, ni Azek, ni délégué de ville, ni maire, ni député, ni sénateur, il n'est pas capable pour venir, bien entendu, le président de la République, il n'est pas capable d'occuper une série de fonctions comme ministre, secrétaire d'État, il n'est pas capable de juge. Il n'est pas capable de commissaire du gouvernement, il n'est pas capable d'avocat, il n'est pas capable d'exercer ses professions, ça, notaire, arpenteur, il n'est pas capable d'être protecteur du citoyen, membre du conseil de l'Université d'État d'Haïti, il n'est pas capable de venir dans le conseil électoral et provisoire permanent. Donc, on prend l'exemple ça seulement, parce qu'il estime que tout le monde qui sont criminels, non même qu'ils ont un bon comportement à l'avenir, mais écoutez, à un moment de la vie,
que des normes sociales graves étaient violées, donc il n'est pas capable de venir au timon des affaires. Et que les professions n'ont pas qu'à occuper. Donc là, nous, ces constitutions, hein, donc disposition 226 et suivant nouveau code pénal là, les violer, ça a dit sa constitution a dit, et ou pas capable de gagner de telles dispositions si toutefois il n'y a pas amendé la constitution. Hein. Donc, et moi-même, même dans le cadre d'amendement, c'est des balises que nous ne pouvons pas retirer. Donc, disposition ça, tout, les mérité pour les modifier et adapter la constitution. Hein. Très important, il est vrai que aspect ça, bon, on va pas faire un pile en pile débat, mais maître Saint-Villiers, il était nous très très peu de temps gagner une autre remarque nous fait que peut-être nous qu'a juste mentionné, c'est les mesures alternatives à la détention provisoire et à l'emprisonnement, mais peut-être faut nous prendre temps pour nous garder comment document ça l'ipral appliquer. Je dis c'est l'an 24 mois et comment en procédure la faite. Et qui possibilité justement pour retourner sous certains aspects qui posaient problème? Alors, et dans 24 mois, nous pensons que le texte n'est pas capable d'appliquer. Bon, malheureusement, nous ne pouvons pas passer sous mesures alternatives qui, vu l'infrastructure paysan, vu le problème de contrôle des frontières, vu les questions problème d'adresse, qui n'est pas capable de résoudre rapidement. Donc, nous pensons ça quand même pendant plusieurs décennies, parce que nous avons des problèmes en termes d'infrastructure, de problèmes structurels qui sont graves. Donc, nous croyons que c'est des mesures qui vraiment posent problème et demander pour prendre des mesures qui appropriées à la réalité. Non. Maintenant, sur l'application code blanc, c'est un code qui, par rapport avec ensemble d'éléments nouveaux que le gagné, il y a capable de dire qu'ils viennent à nous l'autre droit pénal. Et nous sommes capables de dire son courbe à 90 degrés, nous prenons. Donc, automatiquement, ça va demander magistrats pour faire une formation pour eux. Parce que sinon, on va le gagner un texte, on pas capable de comprendre ni de l'appliquer. On va le gagner un policier, là nous des magistrats, on va des juges, commissaires du gouvernement, les policiers, et surtout ça qui est dans la police judiciaire, et on gagne les avocats, et les, bon, on va le besoin de faire formation tout, pour défenseurs des droits de l'homme, professeurs de droit, on va le besoin de tout sensibiliser la population, tout, parce qu'il y a des éléments et fondamentaux, il faut qu'ils soient capables au moins, et qu'on ait certaines compréhensions sur lui, parce que ça peut aboutir avec une réforme pénale. Parce que publication code là, mandé tout, faut que vous publiez le code de procédure pénale là tout. Et vous pouvez gagner, faut que vous réformez les parquets, parce que vous avez un nouveau statut pour parquetier, pour commissaire gouvernement. Vous pouvez gagner l'institution d'enseignement de l'ordre et fonction comme juge de l'application des peines qui va exister actuellement. Vous avez besoin d'un juge de la liberté, des libertés de la détention qui va exister actuellement. Vous avez besoin des médiateurs ou ensemble de l'ordre et structures comme l'utilisation des travailleurs sociaux. Et de psychologues, sociologues, dans le cadre de justice, ça, parce qu'on parle de justice pénale moderne, et tout ça, ils ont demandé en pile temps. Et nous croyons que dans 24 mois, l'État, moi, là, c'est pour l'État qui a fait ça. Et de plus, même code-là, et M. Godson-Pierre, c'est l'international qui finance. Donc, ce n'est pas l'État haïtien qui finance les travaux. Vous comprenez? Donc, et réforme pénale, là, il y a un coût économique. Il va demander pour moderniser le système judiciaire, là, pour moderniser le système pénitentiaire. Là. Donc, nous pensons que dans 5 ans, il faut l'attaquer à appliquer. Mais dans 5 ans encore, il faut que depuis l'heure où il fait modification dans le texte, là, pour qu'il y ait un republié, il faut que l'État décide, mettez-le au travail et prend ça au sérieux et inscrit ça parmi les priorités. Li. Le SAN n'a capable plus ou moins dans 5 ans, nous n'avons pas de commencer à appliquer. Mais maintenant, quelle modalité pour changement que nous avons proposé à arriver fait? Donc, eh bien, modalité pour changement en termes de disposition qui contraire à la Constitution et qui est contraire avec les valeurs morales et valeurs culturelles que nous partageons comme peuple. Et nous croyons que c'est simple, parce que je ne dis pas du Parlement. Il suffit que le gouvernement lui rapporte des faits, et comme nous proposons ça au niveau de l'APM, et pour que vous allez chita parler avec les couches socio-professionnelles du pays, tant de remarques, tant de grognes que vous gagnez sous texte-là, et puis, donc, prendre note de ça et faire tout changement qui est nécessaire, qui est adapté à la réalité, non, qui est adapté avec les valeurs morales et culturelles, non, qui est conforme à la Constitution. Et puis, ça, ils ont fait une modification. Le texte a retourné, publié et promulgué. Et puis, à partir, promulgué et publié, à partir de là, on pensait que son texte n'était pas accepté par la population. Puis, donc, maintenant,
démarche d'implémentation yo, en termes de structure que vous mettez en place, l'État est capable de commencer. Même si à la fin de position noire, nous interrogeons nous, sous constitutionnalité pouvoir réglementaire exécutif là, en la matière, parce que nous croyons que... Oui, parce que nous avons un texte fondamental comme ça, est-ce que ce n'est pas pour le sanctionner par un Parlement? Oui, un texte fondamental comme ça, si nous regardons l'article 111-111-111 de la Constitution, hein, en toute logique, c'est le Parlement qui doit adopter les non-pas et l'exécutif. Oui, tout le temps que nous avons perdu, ça fait 2 ans. Quantité de bagaille qui te gagne pour faire pour que nous arrivions à une situation d'harmonie et puis ou rentrer dans un nouveau document, un nouveau code pénal qui répond exactement à sa société à obtenir, sa société à besoin. Tout ça que te gagne pour faire là, eh bien, il n'est pas jamais fait. Tout au moins, nous ne connaissons pas qui ça fait la donne. Et voilà que, qu'on y a une pression, c'est pour voir comment il a publié tel quel.